C'est un plaisir de vous avoir en direct sur Guinée Matin TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission islamique où nous recevons l'imam et chroniqueur islamique Oustad Ramadan Ba. Et avec lui, nous allons parler du Hajj. Vous savez que le Hajj est l'un des piliers de l'islam. Alors, nous allons parler du Hajj. Déjà, c'est la période. Et les gens se préparent pour effectuer le Hajj 2024. En Guinée, nous avons plus de 10 000 pèlerins qui doivent effectuer ce Hajj dans les lieux saints de l'islam. Oustad Ramadan Ba, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Comme je le disais à l'entame de cette émission, on va parler du Hajj. Et qu'est-ce que c'est le Hajj? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix et salut sur le sceau des messagers Mohamed ben Abdullah. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et Mohamed et son serviteur et messager. Frères en Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le Hajj, comme vous le savez, c'est le pèlerinage à la Mecque. Donc c'est de se rendre à la Mecque et répondre à l'appel divin. Donc puisque Allah nous appelle là-bas, il nous dit Walillahi ala nas hijjul bayti man istata ilay sabila. C'est un devoir envers Allah pour celui qui a les moyens d'aller effectuer le pèlerinage. Donc c'est d'aller à la Mecque et faire ce pèlerinage. Donc c'est ça le Hajj que nous allons voir inchallah en détail dans inchallah les prochaines minutes. Alors le Hajj c'est le pèlerinage musulman. Qui doit effectuer le Hajj? Le Hajj, oui, c'est le cinquième pilier de l'islam. Nous savons c'est à l'avant-dernière année de la vie du prophète que le prophète a effectué ce pèlerinage. Donc, celui qui doit effectuer le Hajj, c'est celui qui a les moyens d'aller faire accomplir ce pèlerinage. Et celui qui a les moyens, c'est le musulman d'abord. Le musulman. La condition première, c'est d'être musulman. C'est d'être musulman et d'être en bonne santé et donc être en possession de toutes ses facultés. Ensuite, avoir les moyens d'aller effectuer ce pèlerinage, puisque ça demande beaucoup de moyens. Donc ce n'est pas quelque chose qui est simple ou qui est facile. Donc c'est celui qui a réuni ces conditions, c'est celui-là qui doit aller à la Mecque pour effectuer le pèlerinage. Alors est-ce que ces conditions simplement suffisent pour quelqu'un qui veut aller à la Mecque pour le Hajj? Supposer qu'il a aujourd'hui les moyens où il est dans les conditions que vous venez de citer. Et est-ce qu'il y a une préparation? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il doit faire en amont avant de partir pour le pèlerinage? Bon, donc oui, il y a quelque chose à faire ou il y a des choses à faire avant d'aller au pèlerinage. Puisque nous savons, comme on l'a dit, le pèlerinage, ce n'est pas quelque chose qui est facile, hein, c'est quelque chose qui est difficile. Mais puisque c'est la récompense divine que nous souhaitons, donc c'est tout ce qui est difficile, on peut l'oublier si on a cette récompense, puisque la récompense est immense, nous allons la voir tout à l'heure, Inch'Allah. Il faut se préparer, il faut surtout en ce qui concerne sa santé, il faut revoir sa santé, voilà pourquoi, alhamdoulilah, la structure qui est chargée de transporter ou d'organiser le pèlerinage, ils prennent les dispositions pour que tous ceux qui doivent aller au pèlerinage, doivent passer devant un médecin pour faire la consultation pour voir s'ils sont en bonne santé. Ensuite, il y a des vaccins à faire, ils doivent faire ces vaccins. Et ensuite, en ce qui concerne les moyens, là déjà, c'est à leur charge, c'est-à-dire la structure, le secrétaire général des affaires religieuses, c'est eux qui, une fois qu'on s'est fait inscrit,
et on a versé l'argent. Donc le reste, c'est eux qui doivent s'en charger, et qui doivent encadrer le pèlerinage et le pèlerin et tous les pèlerins qui doivent quitter le pays pour l'Arabie Saoudite. Alhamdulillah, donc là, il faut les féliciter dans ce sens, puisqu'ils fournissent beaucoup d'efforts pour que les pèlerins aillent dans de bonnes conditions. Et ensuite, ils s'occupent d'arriver à la Mecque. Et ensuite, ils font le pèlerinage dans de bonnes conditions. Et même s'il y a la souffrance qui est là, mais ils font le pèlerinage après, ils se retournent dans de bonnes conditions. Donc il faut voir sa santé, est-ce qu'on est en bonne santé, c'est extrêmement important. Ensuite, si on a quelque chose comme provision, il ne faut pas l'oublier, il faut aller avec. Nous avons dit que la Ligue, après avoir versé la somme qu'on nous demande, donc il s'en charge du reste. Mais si on arrive à la Mecque, donc on a l'envie d'avoir beaucoup de trucs à la fin du pèlerinage. Et pour cela, ça demande beaucoup de moyens. Donc il faut amener quelque chose avec nous pour qu'on puisse chercher ces choses-là. On n'est pas allé pour ces choses-là, nous sommes allés pour l'adoration. Mais si on a quelque chose à côté, ça pourra nous servir. D'accord. Donc il y a ça. Et aussi, il faut se repentir avant de partir. Il faut se repentir, il faut demander pardon à Dieu. Et puis ensuite, il faut aussi demander pardon à ses voisins, à ses parents, puisqu'on ne doit pas aller alors qu'il y a des mésententes, il y a des querelles, il y a en tout cas quelque chose qui n'est pas bon entre nous et nos voisins ou nos parents. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Donc, il faut demander pardon à tous ceci. Et ensuite, les donner au revoir aussi. Il faut dire que pour qu'ils fassent des prières pour nous, donc il faut leur dire qu'on veut aller effectuer le pèlerinage. Donc, c'est pas conseillé de se lever en catimini, faire les formalités et partir. En tout cas, c'est pas bien. C'est pas bien. Quand on a des voisins, il faut leur dire au revoir. Il faut dire bon, puisque c'est une bonne chose, nous allons pour une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose. Et les invocations qu'ils vont faire pour nous, ça compte beaucoup. Dieu va les exaucer, les invocations qu'ils vont faire, surtout aussi les parents. Et même ceux du village, ce n'est pas obligatoire d'aller au village et dire bon, je vais pour dire au revoir. Mais on peut, puisqu'il y a le téléphone qui est là maintenant, téléphoner au village et dire bon, alhamdoulilah, Dieu m'a donné la chance d'effectuer le pèlerinage cette année. Donc je vous dis au revoir et surtout je vous demande pardon et je demande vos bénédictions. Ça, c'est extrêmement important. Justement, à ce niveau, vous parlez de demander pardon. Est-ce qu'il faut demander simplement le pardon ou bien il faut attendre que le pardon là soit accepté avant de partir? Non, non, non. Il faut demander pardon. Au voisinage. Aux voisins et aux parents. D'accord. Donc, il ne s'agit pas là d'attendre quelque chose. Mm-hmm. Peut-être qu'il y a ces trucs qui sont passés entre eux, même si ils ne le disent pas. Ils ne pardonnent pas. En tout cas, vous avez fait votre devoir. Mm-hmm. Vous avez demandé pardon. Mm-hmm. Donc, ça compte beaucoup. Mm-hmm. Et vraiment, tout bon musulman, même s'il n'est pas musulman, mm-hmm. quand quelqu'un, votre frère, votre voisin, vient vous dire, bon, j'ai eu la chance d'aller au pèlerinage et je vous demande pardon, nous sommes des voisins ou nous sommes des parents, vraiment en âme et conscience, vous devez l'accepter. Vous devez, même s'il y a, il y a des querelles, même s'il y a des mésententes entre vous, vous devez vraiment pardonner. Alors, le premier convoi des pèlerins guinéens pour la Mecque cette année doit bouger aujourd'hui, en tout cas dans la nuit d'aujourd'hui à demain, selon le programme qu'on a reçu des autorités. Le premier convoi va décoller ici à partir de 5 heures. Et donc, une fois à la Mecque, puisque c'est là-bas où on doit affecter le pèlerinage. Et une fois à la Mecque, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la première chose qu'on doit faire? Ok, à la Mecque, c'est là-bas qu'il faut faire le pèlerinage. C'est difficile, mais si on sait ce qu'on doit faire, on est préparé. Et c'est ce qui a été fait, puisqu'il y a eu des cours où tous les pèlerins ont été rassemblés dans des différentes mosquées pour leur donner ces conseils, pour leur donner ces cours. Donc, ils vont effectuer le pèlerinage, Inch'Allah, sans problème. Donc, arrivé à la Mecque, d'abord, nous, les Guinéens, nous passons par Médine.
Donc, nous savons, le pèlerinage, c'est du 8 au 13 Zilhijja, c'est-à-dire le dernier mois lunaire. Donc, et nous arrivons avant cette date. Donc, si nous arrivons à Médine, les pèlerins guinéens, presque tout le monde, on entre parce que par la voie qui est appelée Atamatu. Atamatu, c'est quoi? C'est de faire le petit pèlerinage, ensuite attendre le 8 Zilhijja pour faire la sacralisation pour le pèlerinage. D'accord. Donc, quand on est à Médine, ce qu'on doit faire, c'est si on est prêt pour la Mecque, on doit faire la sacralisation. Et à la frontière, on doit faire la sacralisation, les guides le savent, pour le petit pèlerinage. Donc, ça, c'est quoi la sacralisation? Le petit pèlerinage, il faut rappeler que c'est la Umra. Mm-hmm. Donc, la sacralisation, c'est quoi? C'est de se laver. Il y a un endroit là-bas, là où c'est une mosquée. Mm-hmm. L'endroit est très grand. Donc, il y a beaucoup d'espace. Donc, c'est là-bas, on se lave. Et puis, on change les vêtements. Pour les hommes, on attache une serviette. Et puis, l'autre serviette, on la met autour du cou. Et on ne cache pas la tête. Donc, ça, c'est pour les hommes. Et pour nos sœurs et nos mamans, elles, c'est les habits qu'ils avaient l'habitude de porter. Ce sont ces habits qu'elles portent. Elles ne changent pas d'habits. D'accord. Et pourquoi faire la sacralisation, justement? La sacralisation, c'est pour dire maintenant... à partir de cet instant, maintenant, je m'apprête pour faire ou le petit pèlerinage ou le pèlerinage. Et donc, la sacralisation est la porte d'entrée. La porte d'entrée. Mmh. C'est la porte d'entrée pour faire le petit pèlerinage ou le pèlerinage. Mmh. Et ensuite, on répond. On répond, c'est quoi? La baïk Allahumma la baïk, la baïk Allah sharika laka la baïk, inna alhamna wa ni'mata la sharika laka wa mulk. Et ensuite, on dit la baïk Umra. La baïka Umra, et ensuite on va maintenant à la Mecque. Arrivé à la Mecque, on fait la circumambulation de la Kaaba cette fois. Mm-hmm. Ensuite on marche entre Safa et Marwa cette fois. Mm-hmm. Et après avoir fini, soit on diminue les cheveux ou bien on se rase les cheveux. Mais ici il est préférable de diminuer puisque c'est la Umra, mm-hmm. puisque le Hajj arrive. Mm-hmm. Donc on diminue un peu les cheveux pour les hommes. Et pour nos mamans, elles coupent un peu de leurs cheveux. Mm-hmm. Et ensuite, la Umra est finie. Ça, c'est la Umra. Mm-hmm. Maintenant, on enlève les serviettes qu'on avait portées. Mm-hmm. Et on porte les habits cousus pour les hommes. Mm-hmm. Et pour nos mamans, ça, on sait, elles n'ont pas changé d'habits. Mm-hmm. Donc là, la Umra est terminée. Bon, c'est là qu'on doit rester jusqu'au 8. Mm-hmm. du mois de Zilhijja. Mm-hmm. Ensuite, et nous allons partir pour le pèlerinage. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, justement, après la sacralisation, donc, on fait le petit pèlerinage et après, on attend quelque temps pour aller au pèlerinage. Mm-hmm. Mais très souvent chez nous, il y a des convois qui arrivent, entre guillemets, en retard. Mm-hmm. Des convois qui arrivent la veille, mm-hmm. même du démarrage du pèlerinage. Non. Non. D'accord. L'aéroport, le plus souvent, on ferme l'aéroport à partir du 5. Mm-hmm. 5 Zilhijja. À 5 Zilhijja, l'aéroport est fermé. D'accord. Donc là, il n'y a plus d'entrée. D'accord. Il n'y a plus d'entrée. Donc, il n'y a pas de convois qui arrivent à la veille. D'accord. Non, non, non. Puisque à la veille, mm-hmm. soit tout le monde sont allés là où le regroupement doit se faire, c'est-à-dire mm-hmm. à Mina, mm-hmm. ou bien, en tout cas, ils se préparent pour aller. Mais il n'y a plus d'entrée. D'accord. Alors, puisqu'on parle du Hajj, est-ce que le Hajj a des piliers? Oui, il y a des piliers. Maintenant, nous allons parler du Hajj à proprement dit. Nous allons, Inch'Allah, voir, en parlant du Hajj, les piliers du Hajj. D'abord, les piliers du Hajj, ce sont ces trucs que nous allons citer de suite ici. C'est la sacralisation. La sacralisation font partie du pèlerinage. Ensuite,
il y a le stationnement à Arafat, ça fait plus de partie. Et ensuite, il y a la circumambulation de la Kaaba, ça fait partie des prières du Hajj, et la marche entre Safa et Marwa. Ça fait partie aussi des pliés du Hajj. Donc en quelque sorte, voici là, ce sont là les pliés du Hajj. C'est la sacralisation, le stationnement à Arafat et la circumambulation de la Kaaba et la marche entre Safa et Marwa. Donc c'est ça les pliés du Hajj. Maintenant, pour donner plus de détails, je veux que vous me permettez pour que je puisse donner un peu de détails. D'accord. Nous sommes le 8 Zilhijja. On se prépare pour le Hajj. Donc, nous sommes à la Mecque. Nous ne sommes plus à Médine. Nous sommes à la Mecque. Nous sommes à l'hôtel. Donc, c'est à partir de là qu'on doit se laver. Et ces lavés-là, je vais parler des grandes ablutions. C'est les grandes ablutions que nous devons faire. Après avoir fini de faire les grandes ablutions, on porte, on attache les serviettes. L'autre serviette, on l'attache autour des reins. Et l'autre, l'autre serviette, on la met autour du cou. Mais on ne doit pas couvrir les cheveux. Donc, c'est comme ça que nous allons aller à Mina. On quitte la mer pour Mina. Mina, c'est là où tous les pèlerins du monde vont se regrouper. Nous sommes le 8. Il y a certains qui arrivent dans la journée, il y a certains qui arrivent la nuit. 8. Maintenant, le pèlerinage lui-même, c'est à Arafat. Ça, c'est le 9. C'est-à-dire la journée qui suit. Le 9. Zilhijja. Donc, maintenant, il y a certains qui bougent la nuit pour arriver à Arafat. Il y a certains qui bougent au petit matin pour arriver à Arafat. Donc, tous les pèlerins qui sont venus à la Mecque pour le pèlerinage doivent stationner à Arafat. Le 9. C'est le 9 seulement aussi. Le 9 seulement. Donc, et celui qui perd la journée là, ne serait-ce qu'une petite partie. Même si c'est après la prière du soir. Même si c'est après la prière, après la prière de 16h ou 17h. Entre la prière de 16h et 17h jusqu'au crépuscule, si on n'a pas eu même ce temps-là, donc on a perdu le pèlerinage pour cette année. Donc c'est extrêmement important que les pèlerins sachent que le Hajj même, c'est de stationner à Arafat. C'est extrêmement important. Donc, ils doivent aller tous à Arafat. Et à Arafat, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et ils doivent arriver là-bas à quelle heure au plus tôt et quitter à quelle heure au plus tard? En tout cas, à Arafat, ils doivent arriver soit le matin ou dans la journée. Mais ils doivent quand même être à Arafat. J'arrive. Maintenant, ils doivent stationner là-bas. Et tous ceux qui sont venus, que ce soit au petit matin, que ce soit dans la journée, que ce soit dans l'après-midi, ils doivent stationner jusqu'au coucher du soleil. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire là-bas? C'est les invocations des prières. Ce n'est pas de calomnier les gens, de venir se regrouper, faire des petits groupes, et discuter la politique. Non, ça, il faut abandonner ça. On est parti pour se laver, pour se purifier. Donc, il faut vraiment donner son temps à ça. Il faut faire des invocations, il faut lire des Corans, il faut faire des doigts. Pour soi-même, pour sa famille, pour ses parents, pour son pays, pour tous les musulmans. Et pour tout le monde. Nous sommes venus pour ça. On n'est pas venus pour autre chose. Donc, il faut tout abandonner. Et donner son temps pour ça. Voilà pourquoi si on est à la Mecque, il faut éviter ces regroupements-là, puisque ça n'a pas d'importance, ces regroupements-là. C'est de calomnier les gens, c'est de parler de trucs inutiles. Il faut, soit on est avec le Coran, soit on est avec le zikr, les invocations, soit on est avec les doigts. On est allé à la Mecque pour ça. Donc surtout cette journée, la journée du 9, le jour du pèlerinage. Donc au coucher du soleil, et on prend la route pour Muzdalifa. Muzdalifa, là aussi, tous les pèlerins doivent passer par Muzdalifa, après Arafat. Ça, c'est dans la nuit du 9 ou dans la nuit du 10. Ils doivent arriver à Muzdalifa. Donc, nous sommes dans la nuit du 9.
C'est là où, s'ils arrivent à Muzdalifa, c'est là où ils doivent prier et le crépuscule, la prière du crépuscule et la prière de la nuit. Hein? Mmh. Ils doivent les regrouper. Donc, prier la prière du crépuscule, les trois rakats, la prière de la nuit, deux rakats. Mmh. C'est-à-dire, on diminue la prière de la nuit. Donc, ensuite, après avoir fini de prier, c'est là-bas où ils doivent se coucher. C'est là, c'est là-bas où ils doivent passer la nuit. Ils restent là-bas jusqu'au petit matin, ou jusqu'à l'aube, ils se réveillent, ils prient la prière de l'aube, et ensuite ils commencent à ramasser les pierres. Ça, c'est la journée du 10. Ça, c'est la journée du 10 maintenant. Hein? Mais c'est le matin de bonne heure. Hein? S'il fait jour, s'ils commencent à voir le jour, donc ils commencent à ramasser les petites pierres. Hein? Donc, et c'est l'occasion de rappeler aussi, il ne faut pas prendre des pierres ici. Parce qu'il y a certains qui ramassent des pierres ici et qui voient. Ça c'est une... En pensant qu'ils ne vont pas trouver de pierres là-bas. Ils pensent qu'il n'y a pas de... Non. Il y en aura pour tout le monde. Hein? Il y aura même des pierres qui vont rester. Donc, il ne faut pas prendre des pierres chez toi ici ou bien de la terre et transporter ça à la Mecque. Hein? Ça, c'est de l'ignorance. Hein? Les gens vont se moquer de nous. Donc, il ne faut pas aller avec ce genre de trucs. Donc, c'est là-bas qu'il faut ramasser les 21 pierres. Mais est-ce que si on part avec des pierres là-bas, est-ce qu'on peut les utiliser et que cela se fasse sans problème? Non, non, ça ne va même pas entrer. D'accord. Ainsi, ça franchit ici, là-bas, ça ne va pas franchir. Si vous arrivez à l'aéroport, ils vont retourner ça, ils vont jeter ça là-bas. D'accord. Donc, il ne faut pas se fatiguer. Et les pierres sont là-bas. Donc, c'est là-bas qu'il faut ramasser les pierres à Muzdalifa, au petit matin, et puis ensuite, continuer tout juste à Mina, hein, au Djamarat. C'est là-bas qu'il faut lapider, et en lapidant, s'il faut lapider doucement, ce n'est pas avec la force. Bismillah, Allah Akbar, et on jette, hein, ça tombe dans... Hein, la stèle, c'est fini. Hein? Donc, lapider les trois djamarats et ensuite se retourner à Mina. En tout cas, rien n'est. Là-bas, il ne faut pas dire qu'il. Il y a certains mecs qui lancent même leurs chaussures. Non. Non, ce sont ces petites pierres-là qui vont lancer. Bismillah, Allah Akbar, on jette. Hein? Donc, c'est pas avec la force aussi. Allahu Akbar. Non. Doucement. Bismillah, Allah Akbar. Cette lapidation, justement, elle consiste à quoi? C'est en sorte de lapider Satan. C'est lapider Satan. Donc, on lapide les trois stèles et ensuite on retourne à Mina. C'est là, à Safrula, après avoir fini de lapider, si on a encore de la force, on fonce à la Mecque. Hein? On fonce à la Mecque si on a encore de la force pour aller faire la circumambulation et on retourne à Mina. Puisqu'on doit passer trois jours à Mina. Mais si on n'a plus la force, on est un peu fatigué. On avait quitté Arafat depuis hier et on s'est couché à terre. Hein? Donc on est venu, on a ramassé les pieds, on a jeté. Si on n'a plus la force, on retourne à Mina. Au point de départ. D'accord. Sous les tentes. C'est là-bas qu'on va se reposer. Donc on se repose cette journée, la journée du 10. Mais si on arrive seulement, on doit se raser. On doit se raser et on change les vêtements, les serviettes. On enlève les serviettes et on porte les vêtements cousus. On porte les vêtements cousus, on reste là jusqu'au lendemain et puis on va pour faire la circumambulation à la Kaaba. D'accord. Si on l'avait pas fait le jour là. Si on l'avait pas fait le 10. Le 10. Et donc le 11. Le 11, on va pour faire la circumambulation de la Kaaba. Et ensuite, on retourne à Mina. C'est là qu'on doit rester. Et le 10, le 11, le 12 et le 13. Et pendant ces jours-là, tous les jours, on doit aller pour faire la lapidation. Hein? Et ensuite, on retourne à Mina. On n'est pas là-bas, ce n'est pas un voyage touristique. On est là-bas pour l'adoration. Donc, à Mina, il faut éviter aussi ces regroupements-là. Parce que surtout chez nous, surtout la partie guinéenne, vraiment, nous prions nos frères, nos mamans et nos papas. Hein, ils sont allés pour faire ce pèlerinage, pour se purifier. Donc moi, pèlerin, je ne dois pas aller là-bas pour dire j'ai vu Elhadj Touré, j'ai vu Elhadj Ba, et puis Monsieur Esso. C'est pas important. On est venu pour l'adoration. Donc, consacrons ce petit temps-là
pour l'adoration. Puisqu'on est venu pour ça. Et pour faire des prières, il faut faire des prières surrogatoires, il faut faire des zikres, il faut faire des invocations, il faut faire des doigts. Donc on est venu pour ça. Donc on n'est pas venu pour se regrouper, parler ou bien aller se balader, se promener, puisque la Mecque c'est joli. Donc contempler les immeubles, ainsi de suite. Non, pas ça. On est venu pour faire l'adoration. Donc il faut s'occuper de ça, de l'adoration. Yeah. Donc, après les 3 jours, on retourne à la Mecque. Et qu'est-ce qui nous reste maintenant? C'est la circumambulation d'adieu. Mm-hmm. Et là, on attend le jour où on doit voyager, on doit retourner au pays. Donc, le jour-là, avant de prendre nos bagages, on va en faire la circumambulation d'adieu. Si on fait la circumambulation d'adieu, on vient et on prend notre valise ou notre sac. On vient à l'aéroport directement pour revenir. Donc, c'est ça le pèlerinage. D'accord. Et le pèlerinage, est-ce qu'il y a des interdits? Oui, il y a des interdits. Pour le pèlerin qui se trouve à la Mecque? Il y a des interdits, oui. Donc, après avoir fait la sacralisation, vous vous rappelez de la sacralisation? La sacralisation, oui. Donc, qui est la porte d'entrée pour le Hajj. Pour le Hajj. Donc, il y a des interdits. D'abord, on ne se cache pas les cheveux. On ne porte pas de bonnet. Et même avec les serviettes qu'on a porté, on ne prend pas ces serviettes-là pour se couvrir la tête. On ne se couvre pas les cheveux. Et on ne se rase pas. On ne se coupe pas les ongles. On ne se parfume pas. Et il n'y a pas de mariage pendant la sacralisation. Il n'y a pas de fiançailles pendant la sacralisation. Donc, ça, c'est les interdits du Hajj. On ne doit pas nous approcher de cela. Et il n'y a pas aussi de disputes. Il n'y a pas de disputes. Ce que Dieu nous dit dans l'Ancien Coran, le pèlerinage s'effectue dans des mois connus. Dans des mois connus qu'on effectue le pèlerinage. C'est-à-dire dans des mois connus qu'on peut faire la sacralisation pour attendre le Hajj. Donc, maintenant, pour celui qui se décide de faire le pèlerinage, il n'y a un point de rapport sexuel. Il y a pas, même si vous êtes avec votre femme là-bas, il n'y a point de rapport sexuel, il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a pas de rapport intime, excusez-moi du mot. Ensuite, il n'y a pas de dispute et il n'y a pas de perversité dans le Hajj. Voilà pourquoi nous demandons à nos papas et à nos mamans qui vont pour effectuer le pèlerinage vraiment de s'armer de patience. Sur tout cela, il faut s'armer de patience. On doit être patient. On doit pardonner. On est allé pour nous purifier, pour nous laver, pour laver nos péchés. Donc, il faut s'armer de patience. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire chez nous ici. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Donc ça, il faut l'éviter. D'abord, le musulman, c'est quelqu'un qui pardonne. Il faut pardonner. Partout, il faut le pardonner. Et surtout là-bas, puisque là-bas, il n'y a que de musulmans. D'accord. On ne va pas rencontrer autre personne à part des musulmans. C'est les musulmans seulement qu'on va rencontrer là-bas. Donc, tout le monde, ceux qui auront la chance de partir, ils vont voir. Parce qu'il y a certains, même quand tu marches, même quand tu les piétines, ils sont premiers à te dire pardon. Tu piétines quelqu'un, il te dit pardon. C'est extraordinaire. Donc, il faut avoir cette conduite-là. Donc, il faut s'armer de patience. Il faut s'armer de patience et savoir pardonner. Alors, on débourse beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie. Il faut avoir beaucoup de patience pour faire le Hajj. Et quels sont les bienfaits du Hajj pour quelqu'un qui a dépensé tout ça, qui s'est privé de beaucoup de choses et pour faire le Hajj? Quels sont les bienfaits? Qu'est-ce qu'il peut en récolter? Bon, et le Hajj, comme on l'a dit, c'est le 5e pilier de l'islam. Celui qui a les moyens doit faire le pèlerinage. Le pèlerinage, la récompense du pèlerinage est immense. C'est très simple. Nous prenons le hadith du prophète, paix soit sur lui.
Le prophète dit, si Dieu accepte votre hajj, vous n'avez pas de récompense à part le paradis. Si Dieu accepte votre hajj, il n'y a pas de récompense à part le paradis. Et votre récompense directe, c'est le paradis. Et donc, le hajj lave totalement les péchés. Le prophète dit dans un autre hadith, si Dieu a accepté votre pèlerinage, hein, vous redevenez propre comme le jour où votre maman vous a mis au monde. Le jour où vous, votre maman vous a mis au monde, est-ce que vous avez péché ce jour-là? Est-ce que vous avez péché? Non. Il n'y a pas, vous n'avez aucun péché le jour où vous êtes né. Ou bien. Donc vous redevenez comme ça. Tellement que vous êtes propre. Donc voilà pourquoi. Mais nous allons parler de ça dans le mot de la fin, Inch'Allah. Le pèlerin doit s'armer de patience et de pardon. D'accord. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas allés à la Mecque pour le Hajj, je voulais en parler quand vous avez parlé du stationnement à Arafat. Mais pour celui-là qui se trouve en Guinée et qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas eu la santé physique pour aller, qu'est-ce qu'il peut faire pendant le Hajj? Qu'est-ce qu'il peut faire? Oh, il y a beaucoup de choses. Parmi ces choses, pour un peu imiter les pèlerins, d'abord, il faut calculer, savoir les dates. Quel jour sera le premier du mois de Hajj? Le mois de Zilhijja, le premier jour. Ça sera quel jour? D'abord, si on a les moyens, il faut formuler l'intention d'immoler. D'immoler un bélier le jour de la fête. Il faut avoir cette intention. Ça, c'est la première chose. Si on a cette intention d'immoler une bête ou bien un bélier, donc à partir du premier jour du mois de Zilhijja, c'est-à-dire le mois du pèlerinage, il faut s'abstenir et de se coiffer et de se raser et de se couper les ongles et d'enlever les poils qu'on avait l'habitude d'enlever, de notre corps. Donc il faut s'abstenir de faire cela à partir du premier jour. Puisqu'on a l'intention d'immoler. Donc on veut imiter. Et donc on fait comme si on entrait dans la sacralisation. Dans la sacralisation. D'accord. Ça c'est un. Ensuite, il faut jeûner du premier jusqu'au 9. Le 9 premiers jours du mois de Zilhijja. Il faut les jeûner. Ce n'est pas obligatoire, c'est surrogatoire. Mais c'est extrêmement important de jeûner ces 9 jours. Si on n'a pas pu jeûner les 9 jours, il faut jeûner au moins le 9e jour. C'est-à-dire le jour où les pèlerins stationnent à Arafat. Donc il faut jeûner ce jour-là. C'est extrêmement important. D'accord. Ça aussi, c'est une autre chose. Et ensuite, il faut se préparer pour la fête. Et comme je l'ai dit à l'entente, la fête, la meilleure des choses que le musulman peut faire le jour de la fête, c'est d'immoler une bête. Il n'y a pas une chose qui plaît à Allah plus que cela, plus que immoler une bête le jour de la fête. C'est extrêmement important d'immoler. Il est dit quelque part, lorsqu'on immole une bête, tellement que la récompense est immense, celui qui a pu le faire aura une récompense qui équivaut au poil qui se trouve sur la peau de la bête. Qui peut savoir cela? Qui peut compter cela? Personne ne peut compter cela. Même si on vous donnait le pied, un pied, ou bien on peut compter cela? Personne ne peut compter cela. Donc la récompense est immense. Donc il ne faut pas s'amuser avec ça.
D'accord. Et surtout chez nous, on voit les jeunes qui préfèrent acheter les bêtes à immoler pour leurs parents. Justement. Mais eux, ils ne s'acquittent pas. C'est vrai, ce n'est pas totalement l'objet de l'entretien que nous avons aujourd'hui. Mais est-ce que les jeunes aussi peuvent le faire? Tout le monde, tout musulman, hommes et femmes, hein, si on a les moyens, y a certains aussi qui se trompent. Ils disent, bon, si je commence... Et l'année prochaine, j'ai pas eu les moyens. Non. Hein? Là, il calme, il faut l'avoir, ça n'est là où ça. Hein? Ça, c'est la règle. Hein? Quand on n'a pas les moyens, Dieu ne nous reproche pas. Ça, et est-ce que cela peut s'appliquer aussi à quelqu'un qui a pris déjà l'intention d'immoler dès le premier jour, qui a imité pour la sacralisation et arrivé à la fête, il se trouve que les moyens sur lesquels il comptait, il n'a pas pu les obtenir? Mais il n'y a pas de problème. Hein? C'est si on a les moyens. Si on n'a pas les moyens, Dieu ne nous reproche pas. Donc, mais quand on... Et puis, ce n'est pas obligatoire aussi. C'est surrogatoire, immoler. Donc, si cette année, on a les moyens, et l'année prochaine, on n'a pas eu les moyens, il n'y a rien. Même si on a les moyens qu'on ne l'a pas fait, hein, Dieu ne nous reproche pas. D'accord. Hein? D'accord. Mais c'est important d'immoler la bête là. D'accord. Alors, pour les pèlerins, après le pèlerinage, donc après la fête, ils doivent revenir et très souvent, ils reviennent avec des rubans. Et pour ceux qui ne reviennent pas avec des rubans, parfois, il y a des blâmes. Il y a certains, parfois, qui peuvent même s'interroger si, à savoir, est-ce qu'ils ont fait le hajj? Est-ce que ce ruban représente quelque chose dans le hajj? Le ruban là ne représente rien dans le hajj, rien. Il faut le dire haut et fort, ça ne représente rien. Vous savez, ça, c'est les Arabes qui font ça. Hein? Ils portent ça à cause du vent, à cause de... Puisque c'est pour un peu protéger, comment ça s'appelle là, le foulard qu'ils portent là. Hein? Donc, c'est pour un peu protéger le foulard, pour ne pas que le foulard là s'envole. Donc, voilà pourquoi ils le mettent. Et ici, chez nous ici, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de, de vent violent. Hein? Donc, les gens font... C'est pour un peu imiter les gens, les Arabes là-bas. Donc, ça n'a pas de sens. Il n'y a aucun livre qui parle de ça. D'accord. Qui parle du ruban là. Ou bien, quand on revient ici, si on ne nous appelle pas El Hajj ou Hadja, et on se met en colère. Non, ça ne veut rien dire. Quand te dise Hajj, on ne te dit pas ça, on t'appelle par ton nom, il faut l'accepter. Donc le Hajj ne confère pas un titre. Non, c'est pas un titre. C'est comme si vous êtes allé à la mosquée ici et faire une prière. C'est ça. Hein? Donc c'est ça. Il y a certains même qui, tellement qu'ils cachent leur Hajj, la question que vous avez posée à l'entame là, donner au revoir, ils ne le font pas à cause de ça. Pour que. On ne sait même pas qu'ils sont allés au pèlerinage. Hein? Donc, c'est entre eux et Allah. Donc, rien. Donc, il faut éviter. Il y a aussi une autre chose que les gens ont commencé à faire. C'est devenu maintenant comme des obligations. Avant d'aller au pèlerinage, immoler. Avant d'aller au pèlerinage. Au retour aussi, immoler. Ou bien dire qu'il faut regrouper des gens et faire des cérémonies. Avant le pèlerinage ou après le pèlerinage. C'est des trucs qui ne sont pas recommandés. D'accord. C'est des trucs qui ne sont pas recommandés en islam. Hein? L'islam ne le dit. Vous n'allez pas voir ça dans aucun livre de la jurisprudence. Aucun livre. Donc, ça, c'est des gens qui se fatiguent pour rien. Pour rien. D'accord. Donc, il ne faut pas introduire cela dans le hajj. Sinon, vraiment, ceux-là qui viendront après nous, hein? Ça sera une souffrance inutile. Inutile pour eux. Les réceptions des gens, comme si maintenant c'est devenu un mamaya ou des cortèges. Il y a certains même qui font, je ne sais pas. C'est carrément des cérémonies. Ça coûte très cher parfois aux gens. Qui achètent des sobis. Des sobis, oui. Il faut vraiment. Hein? Il faut abandonner cela. Il ne faut pas faire cela. Ce n'est pas bon. D'accord. C'est pas bon. D'accord. Et si nous faisons une adoration, nous la faisons à cause de Dieu.
Hein? Et si maintenant nous faisons cette adoration, et maintenant il y a l'ostentation dans cette adoration, automatiquement ça, hein, ça, soit ça diminue la valeur, hein, ou bien ça annule. Hein? Ça annule, donc on a plus de récompense. Donc il faudrait que nos parents vraiment, nos papas et nos mamans, ils abandonnent ces trucs-là. D'accord. Et il y a aussi d'autres pèlerins qui reviennent et qui éprouvent un peu de regret, surtout quand ils n'ont pas eu le moyen d'acheter des biens à envoyer à la famille, aux voisins, aux amis. Parfois, vous entendez dans les quartiers, et là, tel est allé à la Mecque, il est revenu, même pas un bonnet, même un chapelet, il ne m'a pas donné, il ne m'a pas envoyé. Tout cela, ça ne fait pas partie du pèlerinage. Ils ne sont pas le pèlerinage pour aller faire le commerce et puis amasser des trucs là-bas, envoyer aux parents ou bien aux voisins. Non, ils ne sont pas allés. Ils sont allés pour faire le pèlerinage. Ce n'est pas pour acheter des chapelets, des bonnets, des habits et venir distribuer. Non, ils sont allés pour faire le pèlerinage. S'ils reviennent avec, tant mieux. S'ils te donnent quelque chose, un bonnet ou un boubou, hein, tant mieux, fais la prière pour lui. Hein? Il ne te donne pas, ne te fâche pas. Il y a certains aussi, en partant, hein, si tu ne donnes pas quelque chose, hein, ils se fâchent. Ils disent, ah, je suis, hein, je fais un pèlerinage. Je l'ai donné au revoir, mais rien. Même 100 000, ils ne me donnent pas pour, pour me dire au revoir ou pour que je puisse chercher quelque chose là-bas. Hein. Donc, ça aussi, il faut. Hein, il faut abandonner cela. Ce ne sont pas de bonnes conduites. C'est pas bon. Il y a c'est aussi des bon. Gens parfois qu'on oblige carrément d'aller saluer le pèlerin qui est revenu là. Justement, aller saluer le pèlerin, ça c'est recommandé. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que les 40 jours, les 40 premiers jours qui suivent le pèlerinage, si le pèlerin a bien fait son pèlerinage, surtout quand le pèlerinage est exaucé et accepté par Allah, ses invocations sont exaucées pendant ces 40 jours. Parce qu'il est dépourvu de péché. Justement. Donc, allez lui saluer et surtout lui demander des bénédictions, lui demander des invocations. Ça, c'est recommandé. Hein? Il se peut que ces invocations, ces bénédictions-là, Allah les exauce. Donc, ça, c'est recommandé. Mais il n'est pas dit, en allant, il faut apporter quelque chose. Hein, il faut aller avec quelque chose pour lui, ou bien si vous allez, forcément il doit vous donner quelque chose. Non, d'accord. Non, ça c'est pas recommandé. D'accord. Alors, Oustad Ramadan Ba, nous arrivons pratiquement au terme de cet entretien que vous accordez à Guinée Matin TV. Est-ce que vous avez un dernier mot, un message à lancer aux pèlerins? Voilà, donc, candidat au pèlerinage. Donc, comme on l'a dit, la première chose, c'est de s'armer de patience et de pardon. Parce que le pèlerinage, ce n'est pas facile. Vous étiez habitué, vous étiez dans votre chambre seul, certainement avec des douches internes, avec tout le confort, chez vous, ici. Maintenant, vous allez quelque part, vous n'allez pas être seul dans votre chambre. Vous allez être avec soit 4 personnes, voire même 10 personnes. C'est pas facile. Hein? Avec une douche. Hein? Pour 5, 4 ou 10 personnes. C'est pas facile. Donc, il y a certains, en dormant, la lumière, ils n'éteignent pas la lumière. Hein? C'est comme ça qu'ils dorment. Il y a certains, lorsque. la lumière, ils ne peuvent pas dormir. Ils ne peuvent pas dormir. Donc, vous voyez déjà là, il y a une contradiction entre ces deux personnes. Maintenant, ils peuvent partager la même chambre. Il y a certains, quand ils dorment, quand il y a bruit, ça ne les dérange pas. Il y a certains, même le chassé, quand il remet un chassé, il se réveille automatiquement. Donc, maintenant, vous allez partager la même chambre. Vous voyez, c'est difficile. Si on n'est pas armé de patience et de pardon, on va souffrir. Puisqu'on va toujours voilà pourquoi Dieu nous a dit point de dispute. Point de dispute dans le pèlerinage. Il faut tout pardonner. Tout, il faut pardonner.
Donc, ce n'est pas facile. Donc, il faut s'armer de patience. Et surtout, il faut suivre les consignes des guides. Hein? Alhamdoulilah, pour cette année, le secrétaire général des affaires religieuses, hein, pour chaque, je crois, pour chaque 40 ou chaque 45 ou 50, je crois, pèlerins, il y a un guide. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est bien. Vraiment, nous les félicitons, hein, pour cela. Donc, il faut suivre les consignes de ces guides-là. Hein? Donc, puisque eux, ils connaissent là-bas, ils comprennent la langue, hein? Ils connaissent qu'est-ce qu'il faut faire. Et ces guides aussi, nous les prions vraiment de redoubler beaucoup d'efforts et d'aider les pèlerins. De les aider. Je sais, hein, ils vont le faire, Inch'Allah. Mais nous les demandons, hein, de fournir beaucoup d'efforts, puisque c'est des gens, peut-être qui ne, des gens peut-être qui n'ont jamais voyagé. Il y a certains qui n'ont jamais voyagé. Donc, il faut beaucoup veiller sur eux, et porter beaucoup attention. Et Alhamdoulilah aussi, il y a les médecins aussi qui sont là. Ils fournissent beaucoup d'efforts. Nous les remercions. Et donc, il faut suivre leurs conseils. Donc, c'est ce que nous demandons aux pèlerins. Et surtout, surtout, comme j'avais commencé, c'est de, hein, de s'armer de patience et de pardon. D'accord. Voilà, téléspectateurs de Guinée Matin TV, nous arrivons donc au terme de cet entretien que nous a accordé Oustaz Ramadan Ba pour parler du Hajj, le pèlerinage musulman qui s'effectue chaque année à la Mecque. Nous vous disons grand merci de nous avoir suivis et on se retrouve sur ce même plateau dans un prochain numéro dans les prochains jours. Merci.